Bonjour. Alors, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai été convié à une conférence de presse ici pour ce tour 2022 Chimaoré-Tu. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus, que vous nous en parliez. Ben moi, ça fait pas mal d'années que je m'intéresse à la musique. Aujourd'hui, on dit urbaine, après on dit actuelle. Je préfère dire hip-hop, comme ça c'est plus clair. Donc quand on dit hip-hop, il y a tout le monde dedans. C'est-à-dire c'est un mouvement, c'est une discipline artistique, avec de la peinture, avec du DJing, avec des auteurs, des interprètes, et tout un mouvement avec un état d'esprit. Moi, quand j'ai rencontré la musique hip-hop, j'avais l'âge de m'y intéresser. C'était impressionnant, les baggy shorts, la grosse radio sur l'épaule. C'est ça, moi, qui m'a marqué, qui m'a intéressé. Quelques années plus tard, je me suis intéressé aussi à la langue maternelle. Et c'est là que Chimaoré-Tu est né. Ça veut dire que nous, on a commencé par écrire en français. Un jour, la rencontre avec la culture était inévitable. Et puis, ça, c'était il y a 15 ans maintenant. Et 15 ans plus tard, j'allais dire, on reprend les mêmes et on recommence. Oui, parce que toutes les personnes qui sont réunies là sont des personnes que j'aime beaucoup, que je respecte. Et puis, je ne pouvais pas faire ça sans eux parce que je n'ai pas fait ça tout seul. D'accord, alors ici on va présenter les artistes qu'il y a au niveau de ce tour 2022 Chimaoré-Tu, vous-même Bauhaus. Alors, Gouba MC. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce tour? Mais à ce tour, pour moi, c'est un tour complémentaire. En fait, moi, personnellement, moi, parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'apaise et qui m'amène beaucoup de soulagement déjà en moi-même. Et l'effet d'être là réuni avec tous les gens qu'on a commencé ce monde hip-hop, comme on l'a dit, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait plaisir qu'on se retrouve. Donc, voilà. Effectivement. Moi, c'est Djadiwani. Je suis auteur-interprète. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on a commencé à collaborer avec Boss. C'est devenu comme un grand frère pour moi, tout simplement. Et il m'a beaucoup aidé à mettre tout début. Il a toujours mis un grand accent sur le fait de pouvoir aider et de donner aux autres. Du coup, c'était tout à fait normal aujourd'hui qu'il m'appelle, qu'il veut faire ce tour et que je réponde présent. C'était aussi logique que ça. Et aujourd'hui, je suis très content d'être là. Ça faisait un long moment où je n'étais pas revenu sur l'île. Du coup, ça me permet, moi, de venir me ressourcer déjà dans un premier temps et de partager un bon moment avec tout le monde. Ouais, moi, c'est Check MC. Je suis rappeur et producteur. On a beaucoup collaboré avec Boos. Je fais partie des gens, on va dire, qui l'ont validé, on va dire, pour dire simplement, qui considère qu'il fait partie des génies de notre milieu. Et là, quand il m'a appelé, venir là déjà pour lui, le revoir après tout ce temps, et puis découvrir d'autres et revoir d'autres, ça nous permet de nous ressourcer, comme il a dit, et de repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà, c'est naturellement que je suis là pour ce tout. Bonjour, moi je m'appelle Willy Rambo-Atinarissou. Je suis de l'île de La Réunion, donc Bouss, moi je l'ai connu à Mayotte où j'ai vécu de 2007 à 2012. Et quand il m'a rappelé il y a quelques mois pour le projet Chimaoré-Tu, c'est avec plaisir et honneur que j'ai répondu présent. Entre-temps, moi j'ai ouvert le premier centre de formation diplômant en musique actuelle de l'océan Indien. On est sur la fédération FNEJMA, une fédération nationale. Et le but est de montrer que nous, les îles, puisque pour moi on est cousins, il y a un terreau et un niveau d'expression artistique qui est juste extraordinaire. Et donc c'est avec grand plaisir que je suis là pour le côté prod, le côté instrumentiste qui vont porter la parole des MC qui sont là. Moi, c'est Ajemsi, la moitié de Bohus. Donc, juste pour dire, c'est le retour de Ben Khaled Mayob. Donc,
J'ai plus rien d'autre à dire. Voilà. La bonne moitié. La meilleure moitié. Alors, je reviens sur vous, Bauhaus. Alors, le message qui est caché sur Fushima Oreki, quel est le message qui va être envoyé ici sur ce tour pour les Mahorais? Je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait un message caché parce que tout est là-dedans. Fushima Oreki, tout, c'est d'abord des chansons que j'ai fabriquées. Il fallait trouver un titre pour expliquer tout ce que j'ai fait. Et c'est celui-là qui est sorti. Donc, ça veut dire que l'idée, c'était que le challenge, je dois réussir à écrire un album de 14 titres que en Shimaoré, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment, qui n'a pas le vocabulaire, qui a vécu longtemps à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de message caché. Le seul message, c'est que nous sommes nés et héritiers d'une culture. On a passé beaucoup de temps à l'extérieur. Et à un moment donné, ben, la question, c'est qui je suis, moi? Avant d'être artiste, avant d'être tout ça, ben, je suis un jeune. J'habite dans l'océan Indien. J'ai des ancêtres, j'ai des parents. Ils ont une culture et il faut que je m'en occupe. Il faut que je lui donne la valeur qu'elle mérite. Donc, derrière Fushima Oreki, il n'y a pas de message subliminal. C'est que moi, j'ai décidé, et d'autres aussi, de choisir le Fushima Oreki comme étant la direction artistique. Donc, moi, je n'écris que des chansons en Fushima Oreki depuis 2010 que j'ai sorti cet album. Donc, le message, c'est aimez-vous comme vous êtes. Soyez fiers d'appartenir à la culture de vos ancêtres. Et ce n'est pas un handicap. On peut être dans sa culture, bien dans ses baskets, et apprendre d'autres langues. Ça nous a aidé. Moi, depuis ça, j'ai écrit en espagnol, j'ai écrit en français, j'ai écrit aussi en italien, tu vois. Ça veut dire que comprendre sa culture et aimer sa culture, et du coup, par extension, s'aimer soi-même et s'accepter comme on est, ce n'est pas un handicap. Au contraire, c'est une valeur ajoutée qu'on peut utiliser pour rencontrer le monde. Tout à fait. Alors ici, on vous présente le tour 2022 avec ses dates ici. 20 octobre à ACL l'abattoir, le 21 octobre le Wool Cavani, le 22 octobre Bamboo Beach. Donc soyez au rendez-vous, les artistes vous attendent avec pleine joie pour ce tour 2022 Fushima Oreki. Je vous présente grand format les artistes qui sont ici et techniciens. Ils vous attendent le jour J. Venez nombreux et nombreuses pour savourer ce moment unique.